Le monde sport leader de l'équipe au Sénégal, il y a une promotion pour les gens qui ont gagné. Je sais que les gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons gagné les 3 à 15 000 francs. Promotion, les 3 maillots avec étoiles à 15 000 francs. Moi, j'ai eu verti. Les blousons coton original du Sénégal à 20 000 francs. N'hésitez pas à commander sur Mondial Sport 77 666 0395 77 059 99 84. Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Allez les Lions, le Sénégal est devenu vraiment l'épouvantail du football africain. Donc Lyon U20, ils vont disputer la finale ce samedi face à la Gambie. Donc, les écureuils, les scorpions de la Gambie, les petits scorpions. Les Gambiens, mais le Sénégal a des atouts, surtout le milieu de terrain. Le milieu terrain est de très haut niveau. Pape Dembo Diop, 5 buts, Zultou Arengem, Lamine Camara, FCMS, il a réalisé un doublé face à la Tunisie. Mour Lamine Camara, RS Berkane, qui est à la première relance. Donc on a un trio technique, un trio physique, athlétique, un trio qui se projette vers l'avant. Donc et ça se voit au niveau des chiffres. Le meilleur buteur du tournoi, donc c'est Pape Dembo Diop avec 5 réalisations. Donc c'est pour dire que vraiment, le Sénégal a des atouts à faire valoir au milieu de terrain. Et ces trois joueurs seront à suivre pour la finale, mais aussi pour la qualification. La qualification des Lions U23 pour quand même donc les Jeux Olympiques. Parce qu'il faut renforcer l'équipe nationale U23 de Demba Mbaye. Parce qu'on doit se qualifier pour la CAN U23. Et les trois premiers de la CAN U23 se qualifient pour les Jeux Olympiques. Donc on doit se préparer pour les Jeux Olympiques. Parce que ce qui nous a valu un succès à la CAN, c'est la CAN, ce sont les Jeux Olympiques de 2012. Kouyaté, Mané, Ganagay, Sadio Cissé, ils faisaient partie de l'équipe de Aliou Cissé, de Karim Seydou Diouf, Ndemsi Yalla, Siyalla Nkoy Yalla Yérom. Donc, il faut qu'on se qualifie pour la CAN U23. Pour ce faire, il faut se défaire du Mali. Match lui, c'est le 22, match aller-retour là. Donc, Pape Dembo Diop, Mou Lamine Camara et Lamine Camara, ce trio U20 peut monter vers les U23 et renforcer l'équipe de Demba Mbaye pour pouvoir éliminer le Mali. En tout cas, ce trio fait saliver, fait chavirer et donc le Sénégal a un avenir.